Salut tout le monde! Bonjour! Bonsoir, plutôt! Ah ouais, putain, en plus c'est le week-end! C'est bon ça! Bon, attendez, il faut que je gère les petits problèmes de son récurrents dans Empire. Donc, déjà, je vais passer en plein écran. Maintenant qu'on a compris comment. Voilà, hop! Hop! Et là, je vais aller baisser le son de mon micro. Voilà! Parfait! Bon! On va pouvoir aller jouer. J'ai fait aucun round d'entraînement. Comme pour les pirates, je viens les mains dans les poches. Je ne sais même pas si c'est jouable. Mais je pense que oui. Et je pense que ça peut être amusant. Grande campagne. Alors. On va aller trouver... Quel jeu incroyable. Quel mode incroyable. Ah. Les chevaliers de Saint-Jean. On va jouer en difficile. Voilà, l'ordre des hospitaliers, blablabla, magnifique. Donc ouais, on commence monoprovince à Malte. Et je me disais que pour le challenge, on ne touchera à aucun catholique. On ne fera la guerre à aucune nation catholique, protestante, orthodoxe. On va être le bras armé de la chrétienté contre les mahométans en Méditerranée. Donc on va aller à la bagarre en Méditerranée. Et on va voir au niveau moyen ce que ça va donner. Guillaume, merci pour tes 4 mois, mec. Merci beaucoup. Bon, ça va me faire drôle de pouvoir faire du trade et tout ça, faire de la diplomatie, parce que c'est vrai qu'avec les pirates, le gameplay était pas facile sur le fait que vous aviez pas de rentrée d'argent via la diplo, en fait. Là, on va essayer de faire rentrer des thunas avec la diplo. Regardez-moi ça. Magnifique. Malte. La Valette. On commence avec une flotte. On a un amiral avec une frégate de 40 canons. On a deux petites frégates à 28 canons et un brig. Ok. Au niveau militaire, qu'est-ce qu'on a en troupes déjà? On a une armée. Ouais, on a vraiment du clodo. Hein. On a la milice de La Valette, on a quelques piquiers et on a un général. Voilà. Les protestants, les orthodoxes. Ouais, mais là, on va considérer que... Voilà. Eh, hey, on est en 1700. De l'eau a coulé sous les ponts. On va lever des bateaux. On va voir ce qu'on peut... Ouais, un galion, ça serait quand même un peu gourmand. Sachant... Au niveau revenu. Attendez. Avant tout... Oh oui, on va pouvoir... Oh les gars, on va pouvoir faire du trade. On va pouvoir... Et ils m'aiment quasiment tous. On va essayer de se faire plein de copains. Hein. On va essayer de se faire le maximum de trades possible pour faire rentrer de l'argent. Je vais avoir besoin de thunes hein, pour mes petits projets. On va aller voir les nations majeures, là, tous les mecs du coin. Le pape. Je sais pas trop ce que j'ai à leur proposer, hein, soyons honnêtes. Hein. L'Écosse, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, tu vas accepter. Voilà. On va aller voir toutes les grandes nations européennes. On va leur demander leur support. Unfriendly, les Provinces Unies, t'es sérieux? Ah oui, les Provinces Unies ne m'aiment pas. Les Barbaresques ne m'aiment pas. La Nouvelle-Espagne. Quid le Portugal? Le Portugal ne peut que m'aimer. Voilà, on va se faire un max de thunas avec le trade. Voilà, magnifique. Au niveau argent, on fait de l'income. On fait de l'income, on va baisser les impôts. De toute façon, voilà. Et on va voir au niveau bateau. Chebec, frégate de 38 canons. Moi, je dis, on va aller voir s'il n'y a pas des barbaresques à aller choper. Hein. On va regarder. Regardez ça. Oh ! Eh ! Frégate de 40 canons. Moi, je dis, on va à la bagarre. Hein. Tour 1, hein. Tourin, on va aller chercher la bagarre. Hein. On va... tiens. Allez, hop. Hein. Regardez les barbaresques. C'est parti. On va faire entrer de l'argent dans les caisses. Et hey, si je peux essayer de capturer le vaisseau amiral, là, ça serait plutôt sympa. Hein. Tu as combien de pop à la valette? Je dois pas en avoir beaucoup. Hein. Et on va se préparer à lever une petite armée pour peut-être faire une descente sur Tunis. Ah, les protestants, techniquement, les protestants, c'est des chrétiens, hein. Ne vous en déplaise, les gars. La dernière fois que j'ai regardé, c'est des chrétiens, les protestants.
Moi, je ne lèverai pas la main sur les chrétiens. Juifs, mahométans, tout ça, ok, mais les chrétiens, non. Hein. Enfin, il me semble, hein. C'est clair. Ils ont plein de troupes spéciales. Allez. Vous connaissez la strat. Là, il faut que je capture les bateaux, hein, pour faire de l'argent. Oh, je suis très très mal placé. Oh, je suis très très mal placé, hein. Une reprise de Rhodes. Ah bah, clairement, le Mahométan ottoman va être un ennemi important. D'aller chercher aux arrêts, bien sûr. Bon, il y a quand même un... Il y a Tursun Osman, là, avec une frégate de 40 canons, un peu équivalente au moi, et il a des Tchébek. En soi, ça va être serré, hein. Ça va être serré. On espère que... ça va bien se passer. On espère. Ok, 6 mois, merci, mec. Allez, on a tous les deux le vent. Faut pas que je me loupe sur la première bataille, hein. ça serait problématique. Hein. Bon, il est un peu loin. Je voudrais bien capturer son vaisseau amiral et revendre les deux Tchébek. En soi, j'ai plus de canons là. Bon alors. Oh, j'ai vraiment une portée de merde, hein. J'étais habitué à jouer avec mes pirates où j'avais une flotte de dingue. Là ça me fait drôle de... Ça me fait drôle de revenir, voilà. Alors là, on avait une portée de merde. Ça y est. Ça commence à s'enfuir. On lui a mis une belle salve là. Aucune perte. On lui a enlevé aucun homme, aucun canon. Hein. Par contre, lui là, il m'a tué deux soldats, mis un canon en combat. Alors, je sais pas si on peut renommer les navires. Je crois pas. J'ai mec. Barbares contre Chevalier de Saint-Jean. On en rêve. Là, 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 ici, j'ai déjà perdu 4 personnels. On se rapproche, hein. Ça y est, à mon tour, tirer. Voilà, allez. Assaisonne-moi ça. Il y a eu un décalage du live. Mais oui, il y a eu un décalage du live. J'ai pas eu le temps de streamer à 20h. J'avais des obligations avant ça. Le planning, il n'est jamais taillé dans le marbre à 100%. Par exemple, demain, il n'y a pas de minute spatiale. Parce que je l'ai faite tout à l'heure. Ouh là là, la bagarre. On se rapproche. Hein. Là, on se rapproche de plus en plus. Hein. Voilà, on vient de le démater. On vient de démater une Tchébek. Regardez le mât qui tombe. Ça, c'est cadeau. Il est foutu. Si je pouvais le démater là, ça serait magnifique. Hein. Oulala, oulala, oulala. Je vais avoir le temps de tirer et après de repasser en. Allez, tir chargé. Allez! Et là, vous savez quoi? Je
vais essayer de casser la route, de lui tailler la route, et on va la donner en mitraille. Le prochain tir, on va y aller à la mitraille. Allez, go. J'ai fait une bêtise là. Non, c'est bon. Allez, recharge. Allez, je lui coupe la route. Tirer là. Allez. Je suis trop loin. Feu. Je sais pas ce que ça donne. Ici, on va casser la formation. Voilà. Il va vendre des prises, mais capturer. Je vais essayer de capturer le vaisseau amiral et vendre les Tchérek. J'ai fait de la merde. J'ai été presque trop rapide. Allez, tourne. Ah, j'ai fait de la merde! Oh, je suis pas du tout bien aligné. Oh là 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 là. C'est pas grave. Allez. Sauce-moi ça. On va reprendre le vent. Je lui ai passé devant, j'étais trop rapide. Ici, oh là-bas, parfait. Ça s'est rendu, on va aller le chercher. Bon, attends, ici ça suffit. Hein. Ici ça suffit. Dématez-moi ça, s'il vous plaît. Son moral est pas bon là. Son vaisseau amiral, il fait la gueule. Voilà, allez. Oh, on vient de le démater. On vient de le démater, ça c'est bon ça. Là-bas on va aller. Oh putain, j'ai cru que c'était mon amiral, j'ai eu peur. Mon amiral tout neuf. Première bataille, vous perdez votre amiral, ça fait la gueule. Hein. Il s'est rendu. On va pouvoir aller chercher l'autre. Continuer la bataille. On va aller chercher la Tchébec là-bas. Parfait. Ben voilà. Parfait. Belle petite bagarre pour débuter. On va faire rentrer un peu d'argent. On va récupérer un bateau. On va pouvoir aller réparer. Et on va commencer à se mettre sur pied une petite flotte de vaisseaux capturés. Simple et efficace. Alors. Québec. Voilà, c'est toi que je veux. Capturer. Et ça, on va le vendre. 4000 de thunes, les Québec, hein. Eh hey. Ça fait de l'argent, hein. Voilà. Et vous savez quoi, je vais lancer... On va aller voir ce qu'on a comme bateau, privateur, mais je vais pouvoir me payer du lourd, hein, je pense. Hein. On va directement investir dans un galion de guerre. La terreur sur mer, là. Oh ouais, ça coûte cher. Ok, on va en faire un seul. Et au niveau troupes, hein, oh, regardez-moi ça. On a accès à du cuirassier, la garde du grand maître, Maestro del Ordini, général. Cavalerie de l'ordre, des arquebusiers réformés,
Gunner's Pistol. Des grenadiers mercenaires. Oh là, ils sont beaux. Hein. Oh là là, ils sont beaux. Hein. Grenadiers tardifs, on a des belles unités, hein, mais elles coûtent cher. Hein. Régiment étranger de ligne. Des mousquets. C'est cool, on a accès à plein de troupes. Des brigands. Briganti irréguliers. Ils tirent à 150, les briganti. Ils sont excellents. On va lever un peu de... C'est parti. Hein. On va lever de la viande. Hein. Les chèques vacances, putain. Construction. Ok. Ah, j'ai même pas assez à j'ai pas accès à de la technologie, malheureusement. J'ai pas accès à de la technologie. Et ouais. C'est un problème, ça. J'ai pas réparé la flotte. On va immédiatement réparer la flotte. Voilà. Et on va même lever... ouais, au niveau argent, hein, ça part vite, hein. Ça part vite, les thunes, hein. Vraiment très vite, hein. On voit qu'il y a une autre flotte des barbaresques ici. On va aller s'occuper d'elle tour suivant. Chèque énergie, putain. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de blague. Ouais, c'est vrai, ouais. Putain, ça faisait longtemps, ouais. La question, c'est est-ce que ça nous manquait? Venise. Oh, le misclic, tu supprimes la flotte. C'est quoi les objectifs de mission? Bah écoute, on va aller être le bouclier de la chrétienté en Méditerranée, hein. On va aller casser la gueule des barbaresques, des ottomans. Interdiction de lever la main sur... Ah, j'avais oublié de gérer mes ministres. Ok, pas dégueu, hein. Oh putain, regardez-moi ces ministres de zinzin que j'ai! Ils sont super bons! Toulenton Watch. Bah, par contre, on va. Toi, t'es un peu nul quand même, hein? Oh là là, ouais, ils sont. Moins 10 de relations diplomatiques, ah ouais, génial! Mon grand maître qui envoie des lettres de caca recommandées à tout le monde. Alors attendez, on a vu une flotte des barbaresques vers le nord là-haut. On va aller la chasser. Où est-ce qu'elle est? Putain, où est-ce qu'il est? Je la trouve pas. Je la trouve pas. Zut, zut, zut. Pourtant, je l'ai vu filer par là-bas. Hein. Ah là, zut, bon bah tant pis. C'est pas grave. Au niveau argent, on est pas mal. Je vais pouvoir continuer à lever des troupes. Bon, on a levé des briganti, on va lever peut-être de l'infanterie. Des régiments étrangers, on va lever du mercenaire. Hein. Régiment étranger. Voilà. Des troupes de l'ordre. Ici la route, tant pis. Hein. On va garder l'argent. Et j'aurai bientôt mon premier galion qui va sortir des chantiers de la Valette. Par contre, si ton port est sous blocus, plus d'argent. Putain, bien vu. Va falloir que je fasse très attention à ça, hein, parce que la banqueroute peut arriver vite. Hein. Guerre entre les Marathes et le Portugal. La guerre entre la Suède et le Danemark. Guerre entre la Russie et la Suède. Ça pète dans le nord. Et guerre entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Ok. Une idée dans le port aussi, putain, bien vu. Il va falloir que je sois très prudent avec mon port. Ouais, Napoléon les a dégagés, les chevaliers de Malte. Une espèce de serrure quand tu la traînes. Oh, regardez les barbares qui viennent s'empaler sur la flotte danoise.
Alliance brisée entre Venise et l'Autriche, entre le pape et l'Autriche. Ouais, je vais immédiatement mettre... je vais profiter... Voilà, tiens, mes Pikmin seront parfaits. Moi, j'ai récupéré mon galion. Je vais aller récupérer le galion. Et regardez, il y a... Tunis est vide. Faire une descente à Tunis pour aller reprendre le merdier, c'est très très tentant. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Par contre, au niveau armé, c'est vraiment de la merde. Hein. J'ai pas de canon. Je vais essayer de me payer une petite cavalerie efficace. Cavalerie lourde des chevaliers de Saint-Jean, c'est du très très bon. Est-ce que j'ai un général? On a 3 tours pour faire la cave. Par contre, j'ai de l'argent. On va pouvoir quand même se payer de la belle cave. Et des mercenaires allemands. Voilà, non, ça c'est des... 3 tours, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Je voudrais bien être capable de... d'attaquer prochainement. Oh, il y a de la cavalerie légère avec... Il y a des belles unités, hein, mais elles coûtent une blinde. Hein. Elles coûtent vraiment cher. Hein. Bon, c'est pas grave, on va investir dans de la cavalerie lourde. Voilà, de l'ordre. Est-ce que je pourrais me payer un général? Ah bah j'ai déjà un général, parfait. Voilà, général staff. Ok. Est-ce que c'est pas trop, 3 cavaleries? Je pense que c'est un peu trop. Recrutement. Voilà. Et on va continuer à lever du mercenaire. C'est parti. Au niveau argent, à un moment, je vais être à la limite. Hein. Là, déjà, je vais plus trop lever de bateaux. C'est en train de construire un magistrat à Tunis. On va aller friter les barbaresques le plus rapidement possible. Hein. Reprendre Carthage complètement, hein. Tu devrais commencer à t'entraîner sur Attila. Ouais, mais Attila... Attila, j'aime pas le moteur de jeu. C'est terrible, hein, mais j'aime pas la direction artistique. Je n'aime pas le moteur. Oh, regardez ce qu'il y a là. Regardez qui passe au large de Malte. Ça, c'est l'Ottoman. L'Ottoman, je suis en guerre permanente hein, contre l'Ottoman. Hein. Soyez clair. Hein. Toutes les nations mahométanes en Méditerranée sont mes ennemis. Hein. Voilà. En paix, dire can be no peace, camarade. Oh oui, moi j'attaque tout le monde, hein. Moi je suis en guerre contre tout le monde, hein. J'ai pas besoin d'alliés, hein. Hop, de toute façon j'en ai pas. Salut, camarade. Qu'est-ce que t'as de beau là? Ouais. Écoutez, la bagarre, hein. La bagarre, hein. On va essayer de capturer son vaisseau amiral pour l'intégrer à ma flotte et on va se débarrasser de toutes ces galères de clodo là. On va leur montrer ce que c'est une flotte de guerre aux Ottomans. Qu'est-ce qui vient traîner là, l'Ottoman? C'est ma partie de la Méditerranée. Voilà. Bon. J'ai quand même une belle petite flotte. J'ai une belle petite flotte de guerre. On va faire deux lignes de feu. Voilà. C'est parti. La flotte ottomane. J'ai le vent pour moi. Ta Méditerranée. Notre Méditerranée, ouais. Exactement. Flotte des chevaliers. Même à bord, les mecs, ils ont de la gueule, quoi. C'est... jeu beau. Alors. Des bateaux neufs, en bon état. De la petite galère et tout. On va lui rouler dessus. Hein. On va lui rouler dessus et on va récupérer l'argent. Hein. On va passer des deux côtés. Ouais. Les Pentés, ça date là quand même, hein. 1571. Ouais, on est 130 ans après les Pentés.
Ils sont toujours en galère, ces clodos, hein. Regardez. Moi, maintenant, j'ai des vrais bateaux, hein. Fini les galéas, hein. Bon, on va peut-être prendre la sauce, le temps de se mettre en position de tir. Ça y est, ça commence à tirer. Allez. Moi aussi, je vais saucer. Hein. Je voudrais bien capturer le Mourad Hassan. On va pas trop s'approcher quand même. Oh, une petite galère qui tire là-bas. Oh, c'est ça, va-t'en. Bon, allez, quand vous voulez, les gars. Oh là là, les galères. Oh là là, les galères. Les galères, les Ottomans qui découvrent une vraie flotte de guerre. Regardez le clodo. Regardez-les. C'est fini, les gars, les guerres puniques. Elles sont belles, les galères. Regarde ça. Oh là là. Regardez le gars. Oh, oh. Je pense pas qu'on puisse renommer les bateaux, hein. Je ne pense pas. Allez, ça panique déjà. Bon, et puis là, je lui amène un galion, hein. Regardez mon galion, le Speedy là, il rigole pas. Hein. Face à l'autre clodo là. Il s'est rendu. Allez. Oh, le mât qui tombe de la galère. Oh, bah on a perdu le mât. Ouais, mais elles vont être chiantes. Hein. Elles vont péter les couilles là pour les faire se rendre. Bon, allez, hey. Vous savez quoi ici? On va s'abattre à la... Allez, tourne, tourne, tourne. Elles sont super rapides, ces petites galères de merde, là. Allez, là, il s'est rendu. Incroyable, j'arrive pas à le rattraper. J'arrive pas à le rattraper. Allez. Ils sont combien à bord? 16. On en a tué 3. Ça rame fort. Ah bah là, ils ont la merde au cul, hein. Ça, y a le gros noir avec le corps enduit d'huile sur un tambour, là. Boum, boum, boum. Allez, ici, ça s'est rendu aussi.
Oula, alors attendez, il y a un coup à jouer là. Regardez, là il arrive en plein, en frontal. Il a déjà pris 20 pertes. On va le saucer à la mitraille en portant. Allez, on met l'encre. Dépêche-toi de recharger les canons là. Allez! Allez, ils sont 20 canons! 21! 22! Allez! Ils sont combien à bord? 53! Feu! 41, parfait! Mission accomplie, un tir à la mitraille. Là-haut, ça va. Il a été débatté, on va aller le chercher. Je pense qu'on est bon, hein. Continue la bataille. Je veux aller capturer le bateau là-bas. Non mais rends-toi. Rends-toi. Boubacar. Ils se rendent pas, ça me frustre. Hein. Voilà, parfait. Un bateau de capturé, on va vendre le reste, on va faire rentrer de l'argent dans les caisses parce que ma petite armée va me coûter cher. On va vivre de mes prises sur les nations mahométantes du coin. Parce que c'est pas avec ma petite province, ma province que je vais faire quoi que ce soit. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, on va aller voir le bateau qui m'intéresse, le voilà. Le flagship, voilà, et le reste on va le vendre 6900 de thunes. On vit de nos prises. On vit de nos prises et on va les réparer. On va les réparer. Voilà, magnifique. Et on va garder un petit œil sur tout ce qui se passe. Là, on a le Marocain. Marocain, on va considérer qu'on est en guerre permanente contre lui. Là, on a les Barbaresques. Et là-bas, on a l'Ottoman. Sachant qu'on vient de déclarer la guerre à l'Ottoman. Hein. On ne le tolère pas dans ses eaux. Oh là là, là, mon argent qui se casse la gueule. Des pirates. Bah c'est... Hey, je peux vous dire que historiquement, les chevaliers de Saint-Jean, c'était des putains de pirates, hein, quand ils étaient à Rhodes et tout. Bon, voilà. Corsaire, ouais, tu sais. La ligne est très ténue, hein, entre un corsaire et un pirate. Hein. C'est une ligne extrêmement ténue, hein. Oh, regardez les... Oh, il s'est fait péter la gueule, je crois. Ok. Bon. Zut, j'aurais dû recruter une troupe en plus. Je crois que mon armée est bientôt prête, hein. On a de l'argent en stock. On va pouvoir continuer à lever de la troupe. Pikman, on pourrait lever quelques bons grenadiers qui coûtent un peu cher, des troupes d'élite. Voilà, pour mon armée. Deux tours. Tant pis. Je veux embarquer au tour d'après. Voilà. Grenadier tardif. L'alliance a été brisée entre le pape et l'Autriche. Guerre déclarée entre la Pologne, Lituanie et l'Autriche. Ok, c'est en train de bien péter là-bas. Et pendant ce temps-là, on commence à avoir une jolie petite flotte. Hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. C'est un bon début. Je vais commencer à construire des bateaux de commerce. Merchant ship, et on va envoyer une expédition pour aller récupérer peut-être quelques précieuses ressources. Je ne sais pas d'alliés, c'est vrai que je pourrais commencer à essayer de... Le problème c'est de faire des alliés, c'est que je vais me faire déclarer la guerre par d'autres personnes, tu vois. Genre à un moment, je vais me retrouver en guerre contre des IA. Le but est de ne jamais être en guerre avec les IA, tu vois. Donc je vais plutôt essayer d'avoir des bonnes relations avec les IA, sans déclarer la guerre, sans... Voilà, j'ai pas envie de me faire déclarer la guerre. C'est cool d'être un peu en Europe, là. Quand on était pirate, on s'était beaucoup baladé dans les Caraïbes. Mais on est allé qu'une seule fois en Europe, en fait. Sur la dernière session. C'est chouette d'être en Europe, là. De mon caillou. C'est vrai que Malte, c'est un putain de caillou en plus. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble Malte.
mais c'est un putain de caillou, hein. Bon, il est temps de commencer la descente. Je vais aller faire la descente, hein. On arme la flotte. Les navires marchands, on les prend. Et c'est parti. On les envoie sans protection, comme ça, on va aller faire un peu de scouting. Et là, je prends l'armée. Je laisse la milice, éventuellement, je la laisse ici, au cas où. Voilà. Comme ça. Matez-moi cette armée de l'ordre, si elle est pas belle. Et on va aller se poser. Tour suivant. À la bagarre. Il y a juste des canons. Et un paquet de clodos. Et il est en train de construire des bâtiments. On va l'empêcher de construire tous ces bâtiments. On va aller s'emparer de tout ça. La guerre a été déclarée entre... ok, les Marathes et Hyderabad, on s'en tamponne. Au niveau argent, on est large. Je vais continuer à faire des vaisseaux marchands. On va envoyer des grandes expéditions aux quatre coins du monde. Hein. Ah, voilà le port. Si je pouvais avoir un deuxième port pour faire du trade, ça serait incroyable. Allez. Le français qui pirate les lignes de commerce. Bloque le port. Ouais, j'aurais pu bloquer le port, ouais. Le danois. Ok, ouais, j'aurais dû bloquer le port, ça aurait mis cette flotte, ça aurait bloqué cette flotte. Où tu vas, toi? Alliance brisée entre la Prusse et la Pologne-Lituanie. Très gagné. Ok, recrutement. La guerre a été déclarée entre la Prusse et l'électorat de Saxe et Pépé. Bon, normalement, lié. Putain, mais il a combien de canons? Je pensais que ça c'est que du clodo, mais c'est pas que du clodo. Bah j'y vais à la bagarre, hein. Jamais il va accepter de se rendre, de toute façon. On va aller prendre d'assaut la villa. C'est parti, hein. On prend d'assaut la villa. Ma première tentative, il y a vraiment... Je vais devoir rusher pour pas qu'il puisse trop rentabiliser ses guns. Ça va bombarder, ouais, je vais prendre une sauce terrible. Une sauce. Merci pour tes petits mois. Merci beaucoup. Oh là là, les troupes rouges, regardez-les. C'est pas giga chat quand même. Bon, ça c'est mes brigands, mes irréguliers. Ça va être ma force régulière. On va bien les élargir. Mon général avec la cave, on va aller les chercher. Mes petits irréguliers, mes troupes d'élite, mes deux unités de grenadiers. Voilà. Quand même vachement nombreux, hein. Oh là, attendez, non, ici. Ici, il faut que je dépêche d'aller prendre l'assaut, tu vois. Mais oh! Au secours! Je prends une sauce terrible! Je vais aller prendre
prendre ces putains de guns, moi, tu vas voir. Allez, ouais, on va faire quelques troupes. J'espère que l'IA est pas encore buggé hein, comme avant. Hein. Ah non, c'est bon, je crois que l'IA bouge. Parce que j'ai fait un test en solo et l'IA jouait. Ok, là je vais pour la bagarre. Hein. Faut que je me débarrasse des guns. Mes irréguliers. Les mortiers font... C'est un peu de la merde quand même les mortiers. En général. Ok, arrachez-vous, vous avez fait le boulot. Allez. On bourrine. Les mortiers font mal, mais pas tant que ça non plus. En soi, mon armée, j'ai pas eu de perte. Hein. Oh là là! Aïe, aïe, aïe. Oh, les pertes! Oh! Ok, ça suffit. Ok, là-bas, on a commencé la bagarre. Allez, on va aller à bout portant, tirer dans le tas. Oh mon général. Non les gars, oh. Oh mais ils sont... Ok, ici c'est bon, ça touche. Oh ma cavalerie qui prend la sauce. C'est mes cuirassiers. Mon élite. À ce point ici, allez. Approchez-vous et flinguez-les à bout portant. Ici, on va venir les flanquer. Là, je prends mes grenadiers. On va venir se mettre de flanc. Mon général au milieu. Ici, s'il te plaît, débarrasse-toi. Voilà, avec la racaille, on vient choper ça, le flanc. Allez, là ça fuit, on va aller choper les canons. Il en veut à ma cavalerie, hein!
ce moral est... 134 et les mecs sont là, ouais, non, ça va. Allez, chopez-moi les canons, s'il vous plaît. Je sais pas si je peux... Mes mecs sont en panique. Ah ouais, non, mais les miens, ils fuient à 167. Les miens fuient à 167, lui, il est à 122 sur 180. Et il est giga bien. Ça y est, ça commence à paniquer. Attends, c'est une blague. Allez, on charge. Non, pas maintenant, je vais jeter de la merde. Amener le général. Là, on fuit. Voilà. C'est bon, on a fait fuir les canons ici. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir aller chercher les guns là-bas. Ouh là, mais attends, c'est qu'il est au cac là. Allez, grosse charge. Allez, les cuirassiers, je compte sur vous. Oh, la charge est merdique. Mais non, ils sont buggés. Mais regardez, les l'IA. L'IA, je te déteste. C'est pas grave. Allez, voilà, la mitraille pour la racaille, le sabre pour la racaille. C'était une tactique, les gars, c'était une tactique. Allez, c'est bon. Les curations fait le boulot, on va pouvoir pousser. Regardez ma racaille là-bas qui fuit à 167. Quelle morale de merde. Et ne t'amuse pas de reprendre des canons, voilà. Oh le bordel. Allez, on va choper les guns. Et là, on va aller les chercher au corps à corps, hein. Ça suffit. Allez, là on va aller occuper les canons. Allez, ici on a bien nettoyé, on a bien délatisé. La bagarre. Allez, baïonnette au canon. Ah. Putain, la quantité de mortiers. Voilà, allez. Et les autres qui fuient là-bas, je vous déteste, hein. On va pouvoir amener de la troupe maintenant, on va repousser l'attaque et on va les prendre à ville. Là on va se débarrasser de tous les travers de terre et on va aller à la bagarre. Et là-bas, mais l'autre là, mais c'est indécent. Je vais lui envoyer un coup de cave pour le... Bon, on s'en débarrasser. Voilà. Parti. Allez, si ça craque. Et là, il y a 6 mecs retranchés dans la maison. Ça devrait être rapide. À moi, Tunis. Attention, piquant des cavaliers. Putain, c'est vrai. J'avais pas vu les piques. Bon, c'est où les piques? Ils étaient là, je crois. Sur la ligne de mortier ou un truc là. Ah, je sais pas. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait des piques, ouais. Ma cavalerie aura pris cher, hein, quand même. Hein. Oh, ça panique déjà. Bon, il reste que l'autre là-bas. Et on sera bon.
Je lui ai envoyé. Oh là là, ils sont beaux. Hein. La cavalerie d'élite de l'ordre, elle coûte cher. 3 tours à faire quand même. Hein. Non mais regardez la honte. Mes mecs qui fuient, vous êtes 167, putain! Ils fuient à 167 en face, ils étaient 20. Les briganti là, les irréguliers, ils sont vraiment pas loin. Ils sont vraiment pas loin. Allez, victoire, et on fait de l'XP, hein. Oh là là, regardez-moi ça, on s'est fait notre première petite... Il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, hein. Ils vont aimer mon joug éclairé, hein. Il y a de l'armée, là, oh, il y a du berbère, il y a de l'infanterie tunisienne, c'est bon, regardez. Il y a des chameliers, hein, vous allez voir. Ils vont goûter à mon gros canon, hein. Là, le port, on pourrait le... Je préférerais avoir un port de trade. Vous savez quoi? Hop là. Et là, on va tout réparer en ville. Et je vais avoir accès à des canons. Et... Putain, un conservatoire ou une amirauté. Oh là là. Hôpital militaire. Military billet. Warehouse. Il y a des trucs très très sympas. Plus subit dedans. Enable. Mon classe. Je pense qu'ils doivent pas trop m'aimer. Hein. Culturellement, j'ai peur que voilà, la warehouse serait très intéressante. Hein. Voilà. Et là, on va mettre un conservatoire. C'est parti. Et on va construire des routes, hein, parce qu'on n'est pas des sauvages non plus. Hein. Voilà. Bon, on va recompléter l'armée. C'est parti. On va... réparer la flotte. Ah, je pourrais pas la réparer ici, malheureusement. Je vais aller... Ah, attendez, là, j'ai mes bateaux de trade. On va lancer les missions de commerce. Direction l'Afrique. Voilà. Des petites expéditions comme ça. Navy, voilà. On lance les flottes. Pareil. Direction le Brésil, on va aller chercher du sucre. De la molasse et des esclaves. Voilà. Et là, on prend les bateaux de guerre et on va les recompléter à la Valette. Voilà. Ah bah en fait, j'ai pas besoin de faire de réparation. Si on allait... Ouais, pour un dos à la con... Vous savez quoi? Non. Je vais attendre bien sagement. On va aller faire une petite reconnaissance. Ouais, ici c'est bon. On va aller profiter de la flotte. Voilà. On va aller voir un petit peu comment ça se passe ici. Ouh, Venise. Venise qui est toujours en morée. Ok. Bon, on s'est installé, hein. On s'est installé. Oh là là, je pourrais même après aller marcher là-bas. Les barbaresques, là, on le tient bien fort par les couillasses. Et alors, le problème de Tunis, c'est que c'est 95% d'Africains, 5% de Latins. Kasserine va être développée. Oh ! Ah ouais ! Vous avez vu les taux de rébellion ? Il me déteste. Pour ne pas dire qu'il me conchit. Je perds de l'argent. Hein. J'ai que 2600 en stock. Ben ouais, j'ai dépensé un max de thunes là avec toutes mes améliorations. Je vais peut-être me calmer un peu. Parce que c'est catastrophique là. Financièrement parlant. Hein. Je perds 184 par tour. Ouais. Je vais me calmer un petit peu. Hein. Une alliance militaire avec l'Autriche, ouais, mais le problème, c'est que tout le monde te déclare la guerre. Et j'ai pas envie de me retrouver en guerre avec la moitié de l'Europe. Hein. Désolé, on restera sur des bonnes relations de commerce entre bons chrétiens. Oh putain.
Ok, un petit bateau ottoman. Si je parvenais à aller faire du trade en Afrique pour faire pour ramener des esclaves et de la molasse, ça serait génial. Allez, le pape qui vient claquer son gros zizi, boum, les barbares, au revoir. Faut mettre une église ou une école, ouais, je sais. Mais pour ça, il me faudrait... J'ai pas de bâtiment, je crois, en Tunisie, à détruire pour... On va aller voir. Mais je crois pas que j'ai un bâtiment, en fait. Ok, d'accord. Les pirates. C'est... Oh. Les pirates, ils me demandent 7000 de thunes. Ok. Worker on strike. Regardez, le problème à Tunis, c'est que je ne peux pas construire d'école parce que j'ai même pas de bâtiment. J'ai Kasserine dans 30 tours. Regarde. Dans 30 tours, dans 21 tours, Kasserine sera bon. Dans 21 tours. Et là, on va continuer à upgrader 1000 de thunes. Voilà, maison du gouverneur. Voilà. Military billet, military hospital. On va essayer de trouver ce qui donne le plus de... 5000 de thunes, ça coûte vachement cher. J'ai pas l'argent. J'ai absolument pas l'argent. J'ai absolument pas les thunes. On va aller voir la flotte. Regardez. Je suis arrivé. Oh, il y a déjà un Hollandais. Oh, c'est où? Mais laissez-moi un peu de... Laissez-moi un peu de place, putain. Oh, y a personne. Là, c'est bon. Hop. C'est parti. Et là, normalement, l'argent... Mais non. Putain, il y a le... Y'a l'autre là qui fait le blocus de mon port. Sale petite fouine. Allez hop, c'est quoi? Galion taillé pour la course, auto-resolve. Je l'ai même capturé, je le prends. Voilà. Allez. Bon là normalement l'argent... Oh oui, regardez le commerce, les esclaves. Regardez-moi ça. L'argent qui rentre, on se fait 1000 de thunes. Et attendez que j'arrive au Brésil. C'est bon, là le trade, le commerce triangulaire va me permettre de faire entrer de l'argent dans les caisses. Bon, ici on va continuer à les mater. Ici ils vont m'aimer. Ça va prendre du temps, mais ils vont m'aimer. Kasserine dans 20 tours va basculer, je pourrais installer une école de religion et on va commencer à les grands remplacer. Vous voyez? Le port, putain, bien vu le port. Trading port. Voilà. Par contre, au niveau thune, 3400. Mais ça va, là on est repassé en positif. C'est pas mal. Putain, une flûte. Oh! Ah non, j'aurais bien aimé aller m'emparer de la flûte, mais je vais... Lui, il fait la gueule. Allez. Je vais aller m'emparer de la flûte. Je vais aller m'emparer de la flûte, c'est un beau bateau. Je vais faire la bagarre, parce que je la veux. Ouais, c'est bon, Tunis. J'ai vu le port. Le problème, c'est que je suis... En termes de finances, je suis... C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, il y a un seul bateau en face. Là, le but, c'est de le capturer. Coucou! Salut, camarade! Elle est sympa, votre petite flûte, là. Elle serait parfaite dans mon arsenal, hein, on va pas se le cacher. Le drapeau de la Savoie, ça, d'ailleurs. Hein? Regardez, là. Ça serait pas le drapeau de la Savoie, ça? Y'a pas des Savoyards dans le coin, là? Trésor? Quel trésor? Putain. Bon, là on va la démater brutalement.
On a tué l'amiral, voilà, c'est déjà fini. Voilà. Ça a été rapide, hein. Bah, tu sais, moi je suis breton, la Savoie, je sais même pas où c'est sur la carte, hein, tu sais. Les consanguins des montagnes, là, bon. En plus, ils sont pas vraiment français, les Savoyards, hein. C'est pas les derniers à avoir été intégrés à notre grand royaume, la Savoie? Allez hop, on récupère la flûte. Oh, regardez la belle flûte ottomane. Voilà. Bon, au niveau de thunes, je crois qu'on est bien. On fait 943 d'incom, on est en positif. On est en positif, et c'est pas mal. La flotte, on est en train de récupérer du... de l'esclave, hein, on va le dire. Allons voir. Tu parles breton, Pépé? Absolument pas. Je connais 2-3 mots. Mais pas du tout. Le français qui attaque les routes de commerce. Où il va le pape là avec sa flotte? Hanovre, ok. Pépé parle mieux islandais que breton, absolument. Absolument, sans aucun doute, en effet, je parle mieux islandais que breton, ça je peux t'assurer. L'aide de demande de Tunis, bah ouais, mais bon, les gars, à un moment, je fais ce que je peux là. Nouvel héritier royal, ok, bon, on va aller au niveau thune. Ok, au niveau thune, on a stabilisé, mais c'est vraiment ric-rac. Hein. C'est vraiment ric-rac. Je vais aller réparer la flotte. Hop là, voilà. Et on va essayer de trouver quelques cibles juteuses. On va aller du côté de chez l'Ottoman, là. On va aller fouiner du côté de chez l'Ottoman. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, là? Ouais, le problème, c'est que je sais que c'est des canons qu'il y a dans le merdier, là-bas. Normalement, après, Kasserine va être, on espère, assez rapide à se développer. Là, on va avoir pas mal de bonus qui vont arriver avec tous les bâtiments. Et j'ai pas l'argent, malheureusement, pour faire tout ça. Tant pis. C'est très amusant, hein, les chevaliers. C'est... Même avec le pirate, tu commençais pas monoprovince. Non, mais les alliances, ça suffit, Léopold de la... J'ai d'autres problèmes, là, Léopold. Ouh, alors toi, mon gars. Toi, mon gars, là, à venir pirater mes routes de commerce, tu crois que c'est la fête? Tu crois que c'est du respect, ça, mon garçon? Normalement, j'ai mes bateaux qui vont arriver au Brésil. On va essayer de trouver un spot au Brésil pour amener du sucre. Si tu retires l'absence d'impôts, les résistances tombent plus vite. T'es sûr de ça? Parce que ça serait plutôt l'inverse, non? Tu vas reprendre Jérusalem? Bah, on va essayer. Attends, c'est la Pologne-Lituanie, ça? Ouh là là, où tu vas, toi? Ok, d'accord. Les barbaresques qui flexent. Trade good raided, ok. Alors toi, c'est quoi comme bateau, un brick de merde? On va aller couler ça. Allez hop, on va faire le ménage. Normalement ça passe crème, auto-resolve. Ah, j'aurais dû le capturer plutôt, mais... Est-ce que je peux aller... Ah non, il est malheureusement planqué. Hop, hop. Attends, c'est une blague? Alors voilà. Ma flotte est arrivée au Brésil. Regardez ça. Alors dis-moi qu'il y a un spot de libre. Oh, le Marocain. Écoute, je vais peut-être envoyer ma flotte de guerre là-bas, moi. Ouh, bah écoutez, hop, je me pose. Et c'est parti. Eh, on se régale, hein. Côte du Brésil, on fait 800 de thunes. 1200 avec les esclaves en Côte d'Ivoire. On fait du sucre et des esclaves, hein. Voilà, hein. Le village grossit plus vite sans impôts. Ah ouais? Attends, on va aller voir, on va le tester. Alors, Kasserine.
Kasserine, 76 tours. Oh putain, il y a une armée, mais... Bon, je vais aller me débarrasser de l'armée. Ah, fait chier. Attends, il a des... il a des archers, il y a des sipaïs. On va aller lui casser la gueule. Hein. C'est parti. Bon, on l'a fait la bagarre là. On l'a fait. Bon, après, il faudra que j'y aille. Hein. J'ai pas le temps de jouer autant que je voudrais ce soir, malheureusement. Ouais, le si tu veux. C'est casse-couille, mais il va falloir que j'attende que Kasserine grossisse pour pouvoir y mettre une église. Pour pouvoir commencer à convertir. Je vais essayer d'aller prendre les autres villes à côté aussi. Je vais devoir essayer de trouver des prises aussi pour mes bateaux. Bon. Voilà. C'est une belle troupe. Hein. Mes cuirassiers. Et on a de l'XP en plus. Hein. On a de l'XP. Mes irréguliers. On va les garder en réserve. Et on va mettre une unité de grenadiers, une unité en réserve, en général. Voilà. Let's go. Il est retranché ce con là ? J'ai l'impression que l'IA parfois est buggée hein, sur certaines cartes. Hein. Tout à l'heure il a joué, mais j'ai l'impression que sur certaines cartes il est un petit peu buggé. Hein. J'ai l'impression. Hein. Oui, mets un port de pêche. Ah, c'est un bon type ça. Je vais mettre un port de pêche. Je vais mettre un port de pêche. Bon, je suis en vitesse x6. Je pense pas qu'il y avait pas de canon dans cette armée. Hein. Il n'y avait pas de canon. Bon, ça devrait être une formalité. Le port de pêche amène de la culture vivrière, je veux dire, de l'alimentation à la province, c'est ça? Bon, regardez les archers berbères, hein. Dans le genre clodo, les gars. Avec un lieu... Ils ont un officier ottoman. Matez les giga clodo, quand même. Hein. Ils sont beaux, hein. Sans déconner. Ils sont super classe, hein. Là, on a... Oh, les chameliers, regardez-les. Oh, par contre, eux, rigolent pas. Hein. Les lanciers sipaïs. Ouh là là, et eux, là. Ils sont beaux aussi. Oh, c'est des sabreurs. Troupe de cac. Oh. Alors ça, c'est du clodo africain. Des chasseurs de chevaux. Ok. Écoutez. On va pas se moquer, hein. Il y a quand même pas mal de caves, hein. On va se méfier. Janissaire, je sais, bah en fait. Oh là là, attendez. L'IA qui vient. Ok. Oula, je vais peut-être pas les faire courir. Alors, mettons. Ah, Janissaire, c'est pas du clodo, hein. Oh, putain! Putain! Oh putain! C'est quoi ces formules-là? Ok. Quand vous voulez, hein. Oh la clim qui vient de me mettre!
Mes brigantis font éclater. Allez, 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 allez. Allez. Oh non, il arrive au cac. Je suis dans la merde. Je me fais éclater. Je me fais éclater. Je me fais éclater par une unité. Ah, c'est bon. De chasseurs de chevaux. Hein. Je me suis fait éclater par une unité de chasseurs de chevaux. Hein. Parlons-en. Hein. Je les ai même pas vus arriver, les machins. Ok, ils se sont formés. On va venir flanquer. Oh putain, mais oh! Non, mais c'est quoi ces sauvages là? C'est comme ça qu'ils font la guerre? Et ils me mettent en panique direct, hein! Oh, il m'éclate. Et là, il revient, bordel! Là, vous vous régalez. Hein. Ok. Oh putain. Si j'active pas le tir aussi. Oh regardez, mais il m'a éclaté. 100 mecs de tuer. Ok, ici on lui fait mal. On vient recompléter la ligne. Putain, ça rigole pas, hein. Chef, ça va donc. Hey. Bon, là, on les éclate. Mes grenadiers, là, ils rigolent pas. Même les irréguliers, là. C'est bon. Ça, ils se barrent. On va pouvoir recompléter la ligne, remettre la ligne bien en place. Allez, c'est parti. On s'est fait un peu doucher. Ça arrive. De se faire péter la gueule. Ok, ça s'est pas reformé. C'est une bonne nouvelle. Allez, il y a les archers berbères là-bas. Vous allez leur rouler dessus. Oh, attendez, ma cavalerie va s'en charger des archers berbères. Allez, attendez. Là, je vais aller. Mes irréguliers, je vais les mettre dans la baraque. Oulala, oulala. Ok, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. J'ai fait de la merde. Ah, allez, mes grenadiers. Oh putain. Oh les spies. Oh terrible. Le choc. Je viens de me faire éclater. Je me fais éclater les fesses. Comment je me fais autant éclater les fesses?
fait autant éclater le cul, putain! Oh là 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 là! C'est pas glorieux tout ça, hein? C'est pas glorieux tout ça, hein? C'est pas glorieux tout ça! Ok, là ça panique! Il nous a mis là. Non, mais mec, il fuit. 141 régiments de grenadiers. 141 sur 181. Ici, 106 sur 181. Mais grenadiers, hein. Il y a les voleurs. Attends, le général, on va aller le choper. On va aller choper le général. Oh non, mais c'est une blague. C'est une blague. Les cipaïs qui. C'est moi qui panique! Non mais c'est pas possible, mon général! Mon général, ne tue pas mon général! Je me fais éclater! Je me fais... Allez! Oh, cette bataille! Oh, cette bataille aurait pu mal se passer, hein! C'est bon. Ici, on a repoussé. Allez! Je n'ai plus d'armée, hein. C'est officiel. Hein. Ça devait être une bataille super facile. Ça s'est très très mal passé. Ça s'est tellement mal passé. Je me suis fait éclater par l'IA. Les cipaïs, c'est terrifiant. Hein. Je vais devoir respecter un peu l'IA quand même. Hein. Et amener des canons et compagnie. Hein, parce que là... Oh la clim que je viens de prendre. Terrifiant. Hein. Victoire, mais à quel prix, hein? Pronti e marcia! Oh là 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 là! Bon. On va retourner se poser. Au moins, je fais plus d'argent maintenant. Voilà, j'ai moins de salaire à payer. On va voir ça comme ça. Oh, quelle bagarre! Ah, ça va tenir Tunis, ça va pas être si simple que ça. Donc ouais, un port de pêche, bien vu. Le port de pêche, c'est celui-là, local fishery. Ah oui, plus 06, bien vu, bien vu, bien vu. On va faire ça. Hop là, voilà. Bon bah, on va continuer prochainement. Hein. On va continuer prochainement. Hein. Attends, c'est la Pologne-Lituanie qui a des... Ah non, la Géorgie, la flotte de Géorgie. Qui a des galions taillés pour la course, ok, et un amiral avec une frégate de 28 canons, d'accord. Écoutez, moi je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Tu m'étonnes qu'on a perdu le jeu de là avec de tels guerriers du Christ, putain. Je me suis fait laver les fesses. Je me suis fait littéralement laver les fesses par les clodos, là. Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, je vais m'arrêter là. Demain... Je ferai peut-être en début d'après-midi, vu qu'il n'y a pas la minute spatiale, je ferai peut-être du Ultimate General Civil War ou alors du Seigneur des Anneaux, du Divide and Conquer, on verra bien. Il y aura un Lord of the Rings en soirée, et puis je ferai un petit quelque chose après le Lord of the Rings. Donc on fera peut-être du Ultimate General après, on verra bien. Mais voilà. Ouais, il faut la tête des carrés. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Merci pour tous les tips. Et sinon, bah, passez un bon week-end. Totalement, ou. Allez, ça va. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde, bye bye.